Les merveilles que le Seigneur a fait pour Marie, son humble servante, qui a été, qu'il a élevée jusqu'à lui, jusqu'à la gloire du ciel. Et nous savons que si Notre-Dame est apparue ici, il y a 159 ans, dans cette grotte de Massabielle, dans cette pauvre grotte, à cette pauvre jeune fille qui était Bernadette, c'est pour nous rappeler que notre avenir est au ciel, que nous sommes faits pour la gloire du ciel, que nous sommes faits pour entrer dans la communion de la Trinité Sainte. Voilà notre dignité, voilà notre appel, et voilà ce qu'avec Marie nous chantons et célébrons aujourd'hui. I would like to welcome all the English-speaking pilgrims. Thank you for your presence in the shrine for the celebration of the Assumption of Mary. It is today our national pilgrimage. Thank you for praying for us, for our nation. Benvenuto a tutti i peregrini di lingua italiana. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra fedeltà al nostro santuario qui a Lourdes. Bienvenido a todos los fieles de idioma española. Grazie pour sous présence. J'aimerais souhaiter la bienvenue toute particulière à Monseigneur Marco Arnolfo, archevêque de Vercelli en Italie, à Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre, Guadeloupe, à Monseigneur John Rose Thorn, évêque émérite de Hallam, en Angleterre, et puis Mgr Peter Rotazza, évêque émérite de Hartmore aux États-Unis d'Amérique. Merci pour votre présence à tous. Mgr Yocre est là avec son pèlerinage de Guadeloupe et je souhaite la bienvenue aussi à tous les pèlerins qui viennent de si loin pour fêter le 15 août avec nous. La gloire du ciel commence à nous être donnée par la grâce du baptême. En souvenir de ce baptême, nous recevons sur nous l'eau bénite, signe de notre vie nouvelle dans le Christ. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia! Alléluia! Alléluia. 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 Alléluia.
sarà predicato, potrà cantare. Alleluia! 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 Io vi mandare l'acqua viva del Signor. Alleluia! Alleluia! Lo che se la benedia vivirà, gli cantarà. Jesus Christ, Domine Deus,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con lo scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Thank you.
first letter of St. Paul to the Corinthians. Christ has been raised from the dead, the first fruits of all those who have fallen asleep. Death came through one man, and in the same way, the resurrection of the dead has come through one man. Just as all men die in Adam, so all men will be brought to life in Christ, but all of them in their proper order. Christ is the first fruits, and then, after the coming of Christ, those who belong to him. After that will come the end, when he hands over the kingdom to God the Father, having done away with every sovereignty, authority, and power. For he must be king until he has put all his enemies under his feet. And the last of his enemies to be destroyed is death, for everything is to be put under his feet. The Gospel of the Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors,
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Pèlerinage national et le thème de notre année ici à Lourdes. Il y a 2 attitudes spirituelles très profondes suggérées par ces quelques mots de Notre-Dame. D'abord, la louange et l'action de grâce. La louange, c'est ce chant gratuit qui monte de nos cœurs vers le Seigneur, pour le chanter, pour le bénir, pour lui dire notre joie de le connaître, de l'aimer, notre joie de marcher à sa suite, pour exprimer aussi notre admiration devant son œuvre, pour ce monde qu'il a remis entre nos mains, pour ceux qu'il a mis sur notre route, pour la vie qu'il nous donne, pour tout ce qui vient de lui et qui nous ravit. Vous savez certainement que la louange est la tonalité de la prière du matin dans l'Église. L'Église nous propose de louer le Seigneur dès le matin, chaque matin, en nous levant. Et c'est le sens de la prière des laudes, c'est-à-dire de la prière de louange. Frères et sœurs, quelles sont nos premières paroles le matin? Faites un test sur plusieurs jours. Et vous savez que la tentation est forte de commencer notre journée en se laissant rejoindre par nos préoccupations, ou bien en s'entourant de bruit, de musique, d'un flot d'informations, ou même de commencer notre journée en nous plaignant pour toutes sortes de bonnes raisons. Et l'Église nous dit, et si tu commençais par prendre le temps de la louange, pour louer Dieu pour le jour qui s'annonce, parce qu'il vient à ta rencontre à travers tous les événements de la journée, parce que tant de grâces vont être données. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. Ce sont des mots de Sainte-Claire, et ce pourrait être nos premières paroles le matin en nous levant, en nous réveillant. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. Et si on commence ainsi, eh bien on met son cœur auprès du Seigneur en sa présence et on s'ouvre à la joie.
La joie de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner dans sa providence. Et ensuite, on peut regarder le temps qu'il fait. Et ensuite, on peut écouter les infos. Et ensuite, on peut se préoccuper de la réunion de 10 heures. Mais après seulement. Et notre regard sur les réalités les plus quotidiennes de notre existence vont en être transformés. Parce qu'on fera tout cela avec le Seigneur. Et en fin de journée, il y a ce que l'Église appelle les vêpres. Cette prière pendant laquelle nous chantons chaque jour le Magnificat. C'est une invitation de l'Église à finir la journée dans l'action de grâce. En s'arrêtant, en reprenant les événements du jour, et en acceptant de voir comment le Seigneur nous a vivifiés et nous a visités à travers une rencontre, à travers un événement heureux en famille, à travers une réussite dans la vie professionnelle, à travers un appel téléphonique de quelqu'un qu'on aime, etc. La tentation, vous le savez bien, est de finir notre journée en ne voyant que ce qui a été difficile et qu'on a vécu comme un échec. Notre tentation, c'est de finir notre journée dans le remords ou dans la déception. J'aurais dû dire cela. J'aurais dû m'y prendre autrement. Je n'aurais pas dû faire cela. Et c'est comme ça que dans son existence, on cultive l'anxiété et la tristesse. Eh bien, l'Église nous invite à voir les grâces reçues, à les discerner dans l'Esprit Saint. Et c'est cela qui nous ouvre aussi à la joie, en constatant combien on est aimé de Dieu, en constatant comment le Seigneur s'occupe de nous et tout au long du jour nous envoie grâce sur grâce. Dire, chanter, le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est regarder à l'école de Marie notre vie dans la lumière du Seigneur, en conservant dans son cœur tout ce que le Seigneur y fait de grand et de beau. Et voilà comment notre vie devient action de grâce. Voilà comment, jour après jour, notre vie devient Eucharistie, offrande de nous-mêmes au Seigneur, en nous unissant à l'action de grâce du Fils au Père dans l'Esprit Saint. Et voilà comment une humble prière d'action de grâce ou une humble prière de louange, c'est la vie éternelle qui commence dans notre existence la plus quotidienne. C'est la vie du ciel qui débute avec Marie, en chantant avec elle son Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Oui, nous avons besoin de délier nos langues, d'oser dire, d'oser chanter, d'oser crier au Seigneur que nous nous savons aimés par lui et que son amour nous comble jour après jour. Frères et sœurs, l'action de grâce et la louange sont une décision dans notre vie spirituelle, une décision à prendre. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient lorsque, devant le Seigneur, face à lui, nous l'avons décidé et que nous demandons à Marie de nous accompagner dans ce chemin. Il y a une deuxième attitude spirituelle révélée par Marie en disant « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Marie, en disant cela, contemple ce que Dieu fait en elle. Vous avez peut-être remarqué que dans le Magnificat, une fois que Marie a dit qu'elle exultait en Dieu son Sauveur, c'est ensuite le Seigneur qui est le sujet de tous les verbes. Il s'est penché sur son humble servante. Il déploie la force de son bras. Quand on est chrétien, quand on a une foi vivante, quand on est engagé dans l'Église et qu'on est généreux, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on a envie de faire pour Dieu. C'est juste et bon. La tentation, c'est de vouloir tout prendre en main dans notre relation avec le Seigneur. Notre tentation, c'est d'être l'unique sujet dans notre relation à Dieu, celui qui parle, celui qui prend des initiatives, celui qui donne la direction, bref, celui qui conduit tout.
Le risque, évidemment, c'est de finir par mettre la main sur Dieu, de nous emparer de lui, et de prendre pour sa volonté ce qui n'est que la projection de nos désirs. C'est ainsi qu'on risque de se construire une sorte de confort spirituel, en pensant qu'on est entre les mains de Dieu, alors qu'on a juste organisé nous-mêmes notre vie spirituelle selon nos catégories. On est parfois amené à faire des choses pour Dieu, mais qui ne correspondent pas à sa volonté sur nous. Frères et sœurs, c'est une question que, comme évêque, je me pose tous les jours. Est-ce que je remplis ma mission selon le dessein de Dieu, ou est-ce que je fais ce qui me plaît en essayant de me convaincre que c'est ce que Dieu veut ? Marie est disponible. Elle accepte que Dieu soit acteur dans sa propre vie. Et ce n'est pas de la passivité. C'est au contraire une haute activité que d'accepter que Dieu entre en nous avec toute sa liberté et qu'il opère en nous son œuvre de salut, son travail d'évangélisation et de sanctification, même si ça ne correspond pas toujours à ce que nous avions prévu ou imaginé ou rêvé. Et voilà vraiment la logique de la vie chrétienne. Accepter de faire silence pour laisser Dieu parler. Accepter de s'arrêter pour laisser Dieu faire. Accepter de laisser de la place à Dieu pour qu'il puisse y accomplir de grandes choses, même si ces choses nous mènent là où nous ne pensions pas devoir aller. Il est extrêmement difficile de s'ouvrir à la louange et à l'action de grâce si, au fond, le Seigneur n'a pas le champ libre pour faire son œuvre dans nos vies. Il est difficile de chanter les merveilles de Dieu si Dieu n'a pas l'espace dans nos vies pour accomplir ses merveilles. S'il n'y a jamais de silence pour qu'il puisse parler, s'il n'a pas la liberté pour agir à sa façon et faire du nouveau, au fond, s'il n'y a pas un oui pour l'accueillir et consentir à son œuvre de grâce. Eh bien, Marie nous apprend à dire ce oui. Oui aux grandes choses que le Seigneur veut accomplir en nous. Oui à ce qu'il veut transformer et convertir et évangéliser dans nos cœurs. Il n'y a que si nous prononçons ce oui quotidiennement que nous pouvons nous ouvrir en vérité à la joie de la louange et de l'action de grâce, parce que le Seigneur sera passé dans nos vies avec puissance. L'Assomption de la Très Sainte Vierge nous révèle une chose étonnante. Marie s'est laissée élever bien plus haut qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Elle a été accueillie dans la gloire du ciel auprès de la Trinité Sainte, non pas en raison de ses vertus, mais par grâce, par appel de Dieu. C'est la plus grande chose que Dieu puisse faire, nous faire entrer dans la communion des personnes divines, dans la foi ici-bas et en plénitude dans le ciel, pour participer à leur joie, pour participer au bonheur de leur don mutuel, pour chanter avec les personnes divines la joie de leur communion. Si on laisse Dieu parler et conduire nos vies, il nous emporte bien plus loin que ce que nous pouvons imaginer. Quand elle a chanté son Magnificat, Marie pensait aux œuvres de Dieu dans l'histoire de son peuple. Elle ne pouvait pas concevoir que ces merveilles n'étaient rien à côté de l'appel à partager la joie du ciel. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle avec Notre-Dame. Voilà le plus beau motif de notre louange et de notre action de grâce. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour entrer dans la communion des personnes divines. Nous sommes appelés à la communion avec Dieu. Voilà notre horizon. Voilà le terme du voyage, de notre pèlerinage sur la terre. Voilà ce qui est premier et qui détermine tout. Voilà ce qui est le critère ultime de nos discernements. Et voilà ce qui est la cause de notre joie. Nous sommes appelés ensemble. Ensemble, à la gloire du ciel. Amen.
en communion avec toute l'Église qui célèbre partout dans le monde la fête de l'Assomption. Nous chantons notre foi commune. Thank you.
intention de prière au Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, dans la paix, dans l'espérance, pour nous-mêmes, pour nos communautés, pour l'Église, pour l'humanité entière. Prions pour l'Église. For all pilgrims who are turning to Mary, our mother, may they learn from her how to be true disciples of Christ. We pray to the Lord. Seigneur, en cette solennité de l'Assomption, nous te prions de veiller sur la France. Accorde-lui la paix et la prospérité. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les vocations. Tintu, woman wei na xie hui ni de gao jiao, er du xin sheng sheng huo de ren gan xie ni. 求你赐予他们在你内，借着你和为你而生活的圆满喜乐，我们求你派遣工人收割你的庄稼，好使你的爱火散发于各地。天主，愿你的国临于我们及我们的周围。 كي لا يفقدوا الشجاعة. أعطهم المثابرة في التعبير عن إيمانهم وثقتهم بحبك المسامح. نصلي أيضا يا رب للذين يضطهدونهم. يا رب ليأتي ملكوتك في نفوسنا وحولنا. Ciascuna delle nostre famiglie, con le proprie gioie e con le proprie difficoltà. Aiutaci a farne dei luoghi dove regna la pace, l'amore e la gioia. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Causa de los conflictos y de las guerras, y por la paz entre todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, audinos, te rogamos, audinos. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille. Daigne répondre à ces appels. Nous te le demandons par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, élevée jusqu'à la gloire du ciel. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.